proposition de décision relative à la promotion de la femme. 1. Adopter une loi sur un quota de 30% pour assurer une meilleure représentativité des femmes dans les fonctions électives et non électives. Faire du 8 mars Journée internationale de la femme un jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. 3. Mettre en œuvre la politique nationale JAR et compléter l'arsenal juridique existant par l'adoption des textes nationaux et la ratification des textes internationaux de promotion des droits de la femme. 4. Créer un observatoire genre. 5. Responsabiliser largement les collectivités dans le domaine de la scolarisation des filles et prévoir des mécanismes d'incitation financière en la matière. 6. Inciter les banques primaires et les établissements de microfinance à ouvrir des lignes spéciales femmes pour l'octroi des crédits à taux quasi nul et à des conditions simplifiées avec la garantie de l'État, conformément à la politique de finances inclusive adoptée par le gouvernement. 7. Prévoir un mécanisme d'accès au domaine foncier en milieu rural aux femmes afin qu'elles détiennent des moyens de production pour le financement de leurs activités économiques. 8. Encourager systématiquement les jeunes filles qui excellent dans les filières scientifiques en leur octroyant des bourses de soutien et d'excellence. 9. Apporter un soutien conséquent pour l'épanouissement et l'accroissement des revenus des femmes en milieu urbain exerçant des activités économiques informelles.